Salut YouTube, bonjour et bienvenue pour la suite de Blasphemous. Lors du dernier épisode, le jeu ne nous aimait pas trop, et du coup, on était resté bloqué dans un mur, ce qui était un petit peu ridicule et vexant. Pour cet épisode, on va essayer d'être un petit peu plus détendu. Je sais plus si on avait récupéré les clés qui vont bien. Je suis à peu près sûr que non. Clé du séculier, clé du scribe, voici. Couchez-vous. Montez et descendre, montez et descendre, on l'avait déjà lu. Hop, on couche. La question du jour va être, est-ce qu'on va réussir à dépasser le nombre incroyable de 73 morts, je crois. Et à l'arrivée, peut-être à 80... 90. Ok, je ne me souviens pas être passé par là, mais la dernière fois, j'avais un petit peu la tête dans le fumoir à la fin. Ah oui, si, je me souviens des gros. Les gros messieurs. Voilà. Ok, il y avait un autre gros monsieur là-bas, c'est vrai. Jojo le sadomaso. Ça se finit mal pour lui. Et on était resté bloqué à ce petit jeu d'ascenseur rigolo rigolus. Il y a déjà des bugs sonores sur les ennemis qui sont censés gueuler, donc on verra bien ce qu'il adviendra. Du scribe, ça passe. Aïe. Un petit finisher pour la blague et pour le plaisir, bien sûr. Pour le plaisir. Oscrochu de Vukelich, le copiste. À l'occasion d'une bulle pontificale, Vukelich fut surpris à voler un livre interdit dans les arts arcanes. Après ce jour, ses mains n'écrivirent plus jamais une seule ligne. Parce qu'il avait plus de mains. Oui. C'était une petite alcôve. Non dénuée d'intérêt, certes, mais... Il y a du calme, Gaël. Ok. Le monsieur n'avait pas trop envie de me laisser... à ma guise. Ok, donc toi tu ne gardes rien, c'est très bien, tu ne gardes de rien. On va activer ça. Bon, on aurait pas dû activer ça, c'est pas grave. Allez, cours! Pas si rapide. C'est pas qu'on aurait dû ne pas activer le levier, c'est qu'on aurait dû pas, ne pas quitter notre plateforme. Spring, spring. On va ne pas rester collé dans le mur si possible. J'en serais fort aise. Ouais. Alors, puisque c'est là. On a notre item qui redonne de la vie quand on pète le décor, donc on va se faire plaisir. Ça me va très bien. Ah, pardon, tu n'étais pas encore mort, je me suis trompé de côté. Y'a rien. Super. Très utile, très content. Bon, on a juste récupéré un os crochu dans le coin, c'était un détour qui valait le détour. Alors. Ah, un chérubin. 22 sur 38, on approche doucement du compte.
Ce qui me va très bien. Je sais pas à quoi ça va nous servir à nouveau. Mais bon. Alors, ok. Un passage secret. Une lampe qui décide de ne pas mourir. Que de l'inquisiteur. Ouais, donc il y a toujours cette espèce de truc en haut qu'on peut pas activer. Je sens que quand on va trouver l'item nécessaire, ça va nous faire une brouette d'aller-retour. J'en suis déjà enchanté. Le slide, il est quand même très très puissant. Hein. Découpe mon gars. Hop. On s'est fait gros, c'est le principal. D'accord. Et... il faut utiliser la position de cet ascenseur. Le relou de service. Et du coup, on est reparti pour refaire un tour. Et un autre tour. On commence à me connaître, hein. Y'a pas de raison que ça marche, je vais prendre le coup. On a pu noter qu'on était passé depuis l'écran de titre en version 1.09, donc nouveau patch depuis la dernière fois. J'espère que ça apportait quelques petits correctifs dans mon niveau d'hitbox que je trouve un petit peu frustrant. Mais après, c'est parce que j'aime pinailler, je suis relou. Ok, hop. C'est encore plus simple que je laisse compter. Sphère de la fumée sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une petite perle translucide avec un fermoir presque invisible. On les remplissait traditionnellement des vapeurs émanant des grands encensoirs dans la mer des mers. Mais cette perle-ci contient autre chose. Son influence miraculeuse remplit les flasques de bile après certaines attaques. Mais le miracle est capricieux et se laisse produire rarement. Lorsque tout le monde fut parti, elle approcha du brasier encore fumant où gisait la dépouille calcinée de l'hérétique. De gestes vifs, elle ouvrit une petite charnière sur la perle, puis, en la passant à la fumée grise, elle la referma pour y conserver cette fumée à jamais. Très bien. Ça nous permet de recharger nos gourdasses. Par contre, ah oui, si, dans la pièce précédente où il y avait le géant qu'on avait défoncé, il y avait un passage vers le haut qu'on n'a pas encore exploré. Et ça, il y a pas mal de sorties encore disponibles. Nous sommes loin d'être dans un cul-de-sac. Raccourci plus haut. C'est un plaisir d'ouvrir tout de suite. Je l'ai vu approcher entre les barreaux. J'ai vu le feu traverser sa poitrine et le calciner. J'ai vu le feu reprendre dans l'air et ronger sa peau. Il marche avec le feu et le feu l'accompagne. Certainement une référence à David Lynch. Les tarés de leur tête ont des petits problèmes au niveau du son. Hein. Piège con. Alors il y a des tarés là-bas. Ah, d'accord, très bien. Ah, un petit peu trop loin au niveau du combo. Et on s'est un petit peu trompé de bouton au niveau de l'attaque. C'est pas grave.
en fumée, ce coton. Ça fait esquive plus attaque en même temps, c'est vraiment balèze. Double effet qui se coule. Phalange de Zeth, le prisonnier. Décidément, on va retrouver un squelette complet. Zeth Corsica fut condamné à la réclusion et perpétuité dans l'isolement le plus absolu. Il marronnait sans cesse que des voix lui parlaient dans sa tête. Fut-ce l'une d'elles qui le poussait au suicide? Zeth était d'ailleurs aussi le nom du lead développeur et du designer du jeu Born by Blades, que je vous conseille d'aller tester si ce n'est déjà fait sur la démo qui est disponible. Ils ont un Kickstarter en cours, c'est un jeu assez mignon et sympathique, inspiré de Monster Hunter, et qui promet un gameplay, ma foi, très intéressant, à la fois sur iOS, Android, Steam, potentiellement Mac. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous le conseille, et puis, si jamais vous êtes incertain de ce qu'il propose, de vous, le Kickstarter est disponible avec une démo. Il donnera un petit aperçu de ce qu'il y a à faire. Il attaque trop vite pour qu'on charge notre attaque. Une grille ouverte. D'ouvrir, ça va être celle qui mène à droite, mais ça m'a l'air d'être la suite des événements par là. On va faire retourner le pied sans faire la zone centrale. On va plutôt s'intéresser d'abord à ce qui se passe à gauche. Ça permettra de récupérer a priori une autre relique, si ça nous mène bien à la zone que je vois là-bas. Ah, j'y ai pas vu. Pour une fois que notre downstrike sert à quelque chose. Très content. Ok. Bah donc non. Bonsoir à toi, homo chalimo. D'accord, donc on peut parler sans tout éventuellement. Ça, on peut pas le parler. D'accord, il nous fait une petite attaque qui coulole. Enfin, il nous enchaîne qui coulole. Je dirais un ancien pénitent de son apparence. Why not? J'avais pas pensé à ce détail, mais c'est lourd. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Très bien, 74e mort. Il est où le compteur? Dukier, il est là. Allô?
Excusez-moi, je gogolise avec l'interface de Streamlabs. Et évidemment, j'ai pas ouvert le raccourci, donc on est reparti pour un tour. J'espère que ceux qui étaient morts décident de rester morts, ça m'arrangerait bien. Oui. Ah bah non. Of course. On va essayer d'ouvrir le raccourci du coup vers le point de sauvegarde, ça nous évitera de nous faire tout l'aller-retour. Joli ça, non? C'est mignon. Alors, maintenant que ça c'est fait, on s'attaquer au cœur du problème. L'homme et son épée laser. Ok, rien, si tu veux. Je dis pourquoi pas. Hop. Ah, j'ai oublié ce petit détail. C'est bien, c'est qu'une fois bloqué contre les murs, on se fait défoncer. Ok. Recours sur le saut. Ça c'était débile. Très bien, tant qu'on prend pas parade, pourquoi pas, hein, je veux dire. Déjà. Même c'est qu'avec la combi, ils font plus grand chose. Une fois qu'il a commencé son pattern, c'est dur de l'éviter. Alors, en plus, il a fait une quatrième fois, c'est la surprise. La surprise du chef. Vas-y, prends pas un contre la parade, on verra rien. Bon. Il nous reste plus grand chose de vie avec tout ça.
Ok, bon, il est pas. Si on se concentre un peu, il devrait pas être super super dur. Faut juste arrêter de faire le kéké. Je devrais jouer tranquillou. Dans le design des ennemis, il est assez intéressant cette zone que, en termes de pattern, ils sont assez nuls. C'est pas très inventif. On va changer nos reliques. On devrait pouvoir avoir un changement de relique un petit peu plus rapide. C'est juste un petit peu chiant. Temps de rechargement d'esquive, c'est très bien. Mouvement de défense, c'est parfait. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ça. Et le contexte contre les flammes, c'est une bonne idée. Hop. Allez, mon go! Alors, il a perdu à peu près 30% de sa barre de vie, donc ça c'est cool. Échapper de peu sur le dernier coup. J'ai beaucoup trop anticipé la parade. De la merde. C'est loin, il peut se retourner. On y a cru celle-là.
Ouais. Oh, il était pas bien dur, lui. Est-ce que ça veut dire qu'on gagne une épée lance-flamme? Non. Dommage. Requiem aeternam. Ok, bon, on peut virer ça, on peut virer. Non, ça, on se remet ça. Voilà. Un petit rayon du soleil. Re-toi. The one you have pulled from punishment was Hearsay, one of the sheltered. He was unjustly condemned to the stake for heresy, and the Inquisitors bore witness to the flames, engulfing his body amidst an atrocious communion of prayers and cries. Still, when it was over and the flames had died, the merciful miracle called them forth again, and from them, from the ashes and the embers, the body of Kyrse rose anew. For fiery are the paths of the miracle. Ashes to Ashes, David Bowie, bien sûr. On va récupérer un Onos du coup. Clé de haute sim. Non, on n'a pas récupéré un Onos, on a récupéré un truc plus intéressant cette fois. Enfin, peut-être. On ne sait pas. Tourne un programme de pain. On peut retourner là-bas, sauvegarder, voir ce qui se passe sur la gauche. Là-bas, ça va garder, mais d'où qu'elle est la sortie? Ça, c'est rigolo, votre truc, mais. On s'est fait une entrée un peu plus stylée, dommage. Et bon, lui, il est parti. Je vais aller le dire si je t'embête. D'accord, c'était quoi? C'était une fosse. On peut la casser. Il ne s'est rien passé. Très bien, on peut péter les statues, je savais pas. On en découvre tous les jours. Par contre, on peut pas tuer le petit rat, faut pas déconner. Lui, il a rien fait. Bah non, la sortie, je suis con, il y a une porte ici. Oh là là. C'est pas où on est arrivé, quand même. Bravo. Bah, on va retraverser, on va laisser regarder. Ce joli petit décor en contre-jour qui donne des effets assez intéressants. Donc là, on n'avait pas exploré les zones du haut, mais c'est pas grave, c'était relou avec les pics. Donc on va s'en passer pour l'instant. On va continuer de voir ce qui se passe vers l'ouest. Voilà. Oh, un ascenseur qui rappelle pas du tout une montée vers Dracula. Ceci n'est que fortuit. Couvent de Notre-Dame au visage calciné. Encore là-haut. Ce serait un raccourci vers l'autre côté. Oui. Probablement. Et... là, il y a un hôtel de mea culpa qu'on va utiliser parce qu'on a 30 000 points de je sais plus quoi à utiliser.
Ça fait distance. Boomerang, on va prendre. Hein. Cyclone, vas-y. Fonce, elle fonce. Il reste deux niveaux de mea culpa qu'on n'a pas débloqué encore. Je crois qu'on avait exploré tout ce qu'il y avait à voir ici. Bon, on va continuer de monter. C'est-à-dire que du coup, on a débloqué un ascenseur permanent entre les deux passages. Ça peut être bien. Ah, petit boost de vie. Take the next. Bien. Ce que j'aimerais, ce serait aussi une amélioration des fioles, parce que là, au niveau soins, elles servent un peu à rien. Pas de passage, je joue. Je suis presque déçu. Un petit boss, petite relique. Relique. Masque réfléchissant de Dolphos. Cette histoire de masque, on n'avait pas déjà réglé le truc. Un artefact retrouvé entre les mains d'un archidiacre mort dans une tour isolée au milieu des neiges. Confession de Dolphos, troisième partie. Ils ne comprennent rien. Ce ne sont pas parmi les volumes antiques et les rêves obscurs qu'ils retrouveront leur grâce. La grâce réside dans la pureté même, dans ce que nous pouvons voir et toucher. Je me dois d'étudier la beauté de l'illumination ainsi que les courbes délicates qui reflètent la vérité transformée. Je me dois d'étudier l'art des joailliers, car c'est le miracle qui dirige leurs mains et façonne des œuvres à sa semblance. Ici, dans ces salles glacées, ils me laisseront enfin seul. Ok. Ok, ok. Du coup, les masques, c'était pas pour l'ascenseur. Tout là-bas de l'autre côté. Ok, je suis passé à travers une plateforme. Ça me fait plaisir, écoutez. Le mec qui était piégé dans l'olivier, on n'avait toujours pas trouvé un moyen de le libérer. Ici, on n'est toujours pas allé non plus. Pour voir de quoi il retourne. Plus tard. Hop là. On va voir si avec le masque de Dolphos, le Dolphos Lungrandos, bien sûr, on peut activer l'ascenseur qui nous empêchait de monter. Je crois que nous empêchait, je suis même pas sûr. Je me souviens plus. Au passage, on mourra une bonne dizaine de fois sur les pics, je pense. Histoire de rigoler un peu. Un petit boss, histoire de fêter notre retour. Je suppose que l'arbre derrière est l'espèce de village entouré de trucs étranges est probablement un des lieux de la fin. Ah oui, vous étiez là. C'est vrai que vous étiez là, insupportable bestiole. Les emplumés, c'est réglé. Donnez masque le réfléchissant de Dolphos. Oui. Ça devrait nous permettre d'aller plus haut. Avec celui-là. Oui. Là
encore des espèces de lianes, de ronces ou de je sais pas quoi qu'on peut activer. Ça, c'est un passage qui m'a l'air extrêmement relou. On n'a pas un hôtel de sauvegarde. Je prends. J'aime beaucoup le fait que tu puisses tirer à travers les plateformes. Hein. Touché. Donc ça doit être activé l'ascenseur là pour nous permettre de retourner vers le bas un peu plus sereinement dans l'avenir. Éviter de tomber, j'ai pas trop envie de me tomber. Il est tombé comme un couillon à Epic. Ok, donc là il y a un coffre qui va être accessible quand on aura cette espèce de truc de liane, de ronce ou de je ne sais quoi. Et le point de téléportation, je prends, parce qu'on a besoin de retourner à Albero depuis un bout de temps. Albero. L'hôtel ne me coule pas, on avait déjà dépensé toute notre thune. Là, on a tous les os à donner. Ça récupère pas mal en plus, je crois. Ah, pas mal du tout. On gagne pas des récompenses? Non. Il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 os. J'y compte bien. À la grosse. Est-ce qu'on a des trucs pour eux? The miracle, as long as this brotherhood has, take this as a token of grand. On est d'accord du rosaire, bon, écoute, merci mon vieux. On ne dit pas non. Allons voir, c'est un truc à débénir. Bring me anything that... Que dalle. Est-ce qu'on avait d'autres? Je pense que le bidule des églises, on n'avait pas de truc à lui donner. Then thou has he was once a member of this congregation. One woeful day, he broke his vows and left upon hearing the news that a miracle had occurred. We never heard from him again. Please. Give him this. It will mean a lot to him. Sangle de la véritable inhumation. Une corde tressée au point d'un médaillon de bronze usé avec l'emblème de l'ordre de la véritable inhumation. Je me rappelle pas de lui. Il était où? C'était qui? Il faisait quoi? Ange de pitié. Il était avec des monies. Nye. On se souviendra bien tout à l'heure. Retour. Non, avant de passer là-bas, on va aller acheter une dernière. Une perle de rosaire.
Confrérie du Chevalin Silencieux, il me semble qu'il y a quelqu'un là qui peut nous aider à améliorer le rosaire. Hop. Ouais, c'est ici. Si je me souviens bien, c'est ici. Oui. Hop. Et pas de réponse parce qu'on n'avait plus rien d'autre. Très bien. Bon, on va se mettre la vitalité. Hein. C'est pas plus mal. Et on va retourner vers les toits de la cathédrale. Bon, du coup, ça veut dire qu'on doit aller de l'autre côté où c'est un petit peu le bordel en termes de plateforme. Ce qui s'annonce fort sympathique. Alors, il y a lui dans une claquage. C'est fini. Voilà le relou. Je vais me prendre un coup et tomber de cet ascenseur et ça m'aurait désappointé. Ok, donc Revla, José et... Ah, c'était pas pour la maîtresse Sadomaso, ça? Ça te dérange que je pars. Hein. Oui, visiblement ça te dérange. Très bien, et la moitié de ses coups, je peux pas parler. Ça me fait toujours plaisir. Du troisième refuge qu'on va pouvoir donner à Joselita qui était là je crois. Ça fait loin, on va y aller. Ah non, ouais, si on meurt on y retourne. Merde, tu reviens en plus, t'es en forme toi. On avait déjà ouvert ici, c'est bien. On était prévoyant et on était le mea culpa. La vertu de mea culpa a grandi. Alors. Ok. Atteint la maîtrise de la technique d'attaque en piqué. Ok, oui. Ouais. Pas des pouvoirs de ouf, hein. Par contre, ça veut dire qu'on doit atteindre. Il y a un truc que j'ai raté ici. On peut descendre, visiblement. Casse-toi. Merci. Non, on ne peut pas. Merci à toi, map que j'ai probablement mal lu. 76 morts. C'était pas la pire qu'on a eu, je pense. Même si elle se casse pas mal dans le classement des morts ridicules. Ouais, pourtant, c'est bien indiqué sur la carte qu'il y a un endroit pour descendre, mais bon. J'ai dû rater l'endroit exact. Alors, on va redescendre.
On va donner la marque du troisième à Josette. Josette qui souhaite. On avait fait toute cette zone, oui. C'est pas grave. Les coups d'encensoir, je commence à avoir l'habitude. Et une offrande. Marque du troisième refuge. Oh, elle est libérée. The lady. Oh, la dame. Three penitents that communed with the miracle clamored for her refuge and protection. Those souls for which she suffered have already departed to the other side of the dream. Has the holy commandment of my lady finished? Penitent one, whom shall I watch over now? Le mec il est déçu. Oh, je suis déçu qu'elle soit plus en train de se faire fouetter. Bravo le pervers. Bon. Ça c'est bien. Ça c'est bien, mais. Ça nous dit pas trop où est-ce qu'on doit aller maintenant. On est bloqué globalement ici. Ici, je crois qu'on a fait le tour. Ici aussi. Faudrait qu'on trouve ce truc d'arbre. Je pense qu'il faut qu'on rejoigne où se meurent les oliviers. Et que ça apportera pas mal de réponses à nos questions. On peut redescendre par là-bas. Si c'est bien ce que je pense, je suppose que ce truc va nous être donné par Raoul le fouetteur, Raoul le prisonnier de l'arbre. Hop. Je vous ignore tellement je vous méprise. Sauf quand vous mettez la misère. Je fais nimble. Jardin. C'est vrai qu'il y a des gens relous ici. Hop, je vous ignore. C'était un petit peu marrant. Adios. Je me disais aussi qu'on n'était pas encore tombé à l'épique et que c'était surprenant. 77. Du coup, je pense qu'on va faire un truc révolutionnaire, on va prendre un téléporteur. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. C'est un peu moins con.
Qu'est-ce qu'il aura père reprochera? Songe de pitié, je crois que c'est pas mal. Non, pas du tout. Pas du tout, le plus proche c'est Albero en fait. Ça va nous permettre de faire un chemin globalement tranquille avec des ennemis de peu de puissance. Find the next remnant. Non, non. Ah, à me dire, toi. De prendre à l'est. C'est dans le prochain bâtiment où on peut... aller vers le nord. Faire le kéké ne rapporte rien. Ça peut être comme ça. Soit, mais ça ne m'avance pas plus que ça. Je vais sauvegarder ici au cas où. Un accident ici vite arrivé. Ouais, t'as laissé tomber un truc. Gobelet doré vide. Pas de réponse. Très bien, très bien. Un gobelet orné d'or. Pendant cette inscription, seul l'or peut contenir l'huile du rachat. Une jeune villageoise appelée Auréa avait un visage si beau et si pieux que déjà dans son enfance, les sculpteurs s'en inspiraient pour leur création. Son visage devint si reconnaissable que peu à peu, les gens la prirent pour l'image incarnée des divinités, au point qu'on l'emmena parfois en procession, on lui place des statues. Cette ferveur folle finit par lui rendre insupportable la confondue avec la divinité. Elle décida de se brûler le visage avec de l'huile pour offrir sa beauté à Dieu et prit les habits du couvent. Très bien. Seul l'or peut contenir l'huile du rachat. Ça n'avance pas trop. Toute cette partie là, ouais, on l'avait exploré. La partie quoi, chagrin silencieux aussi. La ligne sainte, oui. Là, il y a des passages qu'on n'a pas encore vus. Aller vers l'est. Et là, de même. La cité, on n'a pas tout fait non plus. Je crois qu'on va voir ce qu'on peut faire dans la citerne et qu'on a raté. Il n'y a pas dit qu'on avait, qu'il y avait un mec dans une cage en fer qui était... Ouais. Ça avance à rien, je pense. Mmh.
Ça ne sert à rien. C'est bien par là, on va rejoindre Albero, on se regardera Albero. On n'a pas beau ouvert. Ah oui, c'est un accident par les citernes. C'est un accident par les citernes. Donc c'est bien ce qui me semble. Il y a bien une partie qu'on n'a pas encore fait au niveau des citernes. Ça, c'était gratos. Au niveau des énigmes, je sais qu'on avait aussi deux bouquins avec des rotules, enfin trois bouquins avec des détails anatomiques qu'on n'avait pas utilisés. On va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Ça va me dire d'intéressant. Peut-être que lui il pourra. Non. Il est pas du tout là, l'hôtel de sauvegarde est au-dessus. T'es mort là. Hop là. Ok. Mais du coup YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, pouce, partage, etc. Et puis, ne rate pas les suites des aventures de Blasphemous. Du coup, bisous, salut!